Petit message d'avant vidéo, sachez que ce MC Gameplay est un peu particulier, il est sur un jeu nouveau, et ici ce que je vous suggère c'est de savoir si j'en fais un let's play sur ma chaîne personnelle ou si vous voulez en rester ici. Je vous laisse avec la vidéo sans trop de montage, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Bonjour les gamers, ici CLB35 pour un nouveau MC4Play aujourd'hui sur Doctor Who, l'horloge d'éternité. Comme vous le savez peut-être, je suis fan de Doctor Who, j'ai remarqué qu'il me restait 10€ sur mon compte Steam, que ce jeu était à 10€, bon, malheureusement pas en promotion Steam comme par hasard, mais bon, du coup j'ai claqué le reste de ce qui me restait sur Steam pour l'acheter. Doctor Who, c'est une série que j'adore par-dessus tout. Si je vais faire la liste de mes 3 œuvres préférées de fiction en dehors du jeu vidéo, le son doit être légèrement fort. Ce serait le film de mon enfance, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, Jurassic Park, le premier du nom, même si j'ai bien aimé Jurassic World aussi, mais bon, c'est pas comparable en fait. Et la série Doctor Who, c'est la perfection incarnée. Je vais pas trop vous parler de la série, vous verrez bien avec le jeu. C'est quelque chose de malade, et puis je voulais absolument vous montrer le seul jeu de vraiment qualité et plutôt récent qu'il en existe. Chargement rapide. Bon, oh putain, Matt Smith. Écoute, je sais que ce n'est pas l'idéal de naviguer dans un maelstrom temporel, mais si tu pouvais te détendre un peu, fais ce que tu veux alors. Bon, ok, voilà le plan. Tu restes en un seul morceau et tu me ramènes sur Terre, et moi je m'occupe de ça, de la tempête temporelle. Plus de problème, tu es content comme ça? Bon, on va essayer de mettre la VO sous-titrée VF quand même, parce que personnellement, le doublage original je préfère. Si, je préfère. Et donc là nous avons notre docteur, très bien modélisé pour l'époque, le jeu date de 2012 je crois, quelque chose dans ce style là, il n'est pas non plus parfaitement récent. La qualité des animations est vraiment pas mal hein, pour le coup. Et c'est dans un univers que j'adore à un point, franchement, je pourrais pas donner un jugement objectif sur ce jeu. Sortie du TARDIS. Je dois sortir et trouver ce qui cause la tempête temporelle. Pour l'instant il run pas. Heureux donc, je crois que tout est à peu près arrangé à ce niveau-là. Donc là, le chemin est vraiment très prédéfini. Hein. Donc c'est parti pour ouvrir la porte du TARDIS et en sortir. Alors je ne sais pas trop où on va, mais en tout cas, l'aspect visuel au niveau des particules est vraiment excellent. C'est pas une bonne nouvelle. La Banque d'Angleterre. Et cette fois, je vais m'enfuir. Donc j'ai pas réussi à mettre la VO malheureusement. Ah, le tournevis pourrait me servir à chercher des indices. Ce bon vieux Sonic. Ce bon vieux Sonic. On a une sortie à partir du vol. La musique vient de la série, c'est le thème I am the Doctor, je suis le docteur. La prise en main est plutôt simple et précise. Le son est pas parfait mais bon. J'espère vraiment que vous porterez un petit peu d'attention à cette vidéo parce que Doctor est vraiment un univers que j'aime particulièrement mais qui cependant sera bien utile pour ouvrir toutes ces portes verrouillées. Qui pourrait pas nécessairement plaire au public de la MC4. Donc scannez les portes avec votre tournevis Sonic, puis maintenez la touche F interagir pour commencer le crochetage. Faites correspondre les deux vagues en déplaçant la souris ou le joystick droit, voilà la souris. Maintenez la souris en place jusqu'à ce que l'énergie soit complètement accumulée. Ok. Je pense avoir à peu près compris. Okay. Comment dire, pas que ça me dérange de faire du moonwalk, mais quand même, j'aimerais bien que tu t'orientes dans la bonne direction, viens docteur. Ok, alors... Non, pas du tout. Alors, petits objets F. Bah oui, y a aucun souci.
Y'a aucun sushi normalement. Voilà, bah voilà, c'est tout con. Ok, je vois. Ok, j'essaye de comprendre un petit peu comment ça marche. Pas la mer à boire tout ça. Hein. Normalement. Pas censé l'être en tout cas. Ah, j'y suis presque. Oui. Quand même, faut que j'apprenne à m'en servir de ce tournevis Sonic. Bon. Allez, on va vite comprendre comment ça va marcher, on va se lancer un petit peu dans l'action. Si vous, je vais m'arrêter donc du coup un peu en cours de route, bon, je vais sauvegarder. Donc du coup... Les ascenseurs pourront me servir à atteindre les endroits difficiles d'accès. Je m'arrêterai en cours de route. Pour... Mais je m'arrêterai en cours de route, mais je sauvegarderai. Le son est un peu génial quand même. On va dire ce qu'on voudra. Je peux peut-être bouger ça et m'en servir pour monter. Ah oui. Bon. Système classique. Faut pas chercher compliqué quand c'est simple. Ces musiques tuent. Ok. Hein. C'est un ordre. Vous devez l'accepter. Et vous devez supporter le fait que... C'est fou, ce qui me parle quand elle est hors d'atteinte. Comment m'y rendre maintenant? C'est très très bien écrit. Hein. Utilisez la souris, vous faites pivoter le stick droit pour utiliser... J'ai pas eu le temps de lire. C'est malin. Voilà, c'est ouvert. Oui, des fois, faut pas chercher compliqué, hein. Je suis presque. Oui, voilà. Parfait. Dommage que je ne puisse pas payer pour sortir d'ici. Pas de place pour tirer la caisse ici. Je peux peut-être la pousser depuis l'autre côté, mais la porte me bloque le chemin. Et cet interrupteur, qui a conçu cet endroit? Est cher? Ok, alors. Y a moyen de faire quoi que ce soit ici? Alors, j'ai déverrouillé un succès. Qui s'en peut? Alors, c'est que je suis un petit peu coincé. Qu'est-ce qu'il y a en bas ici? Que dalle. Rien d'interactif. Le papier psychique. J'ai un message de moi-même. Mais alors qu'est-ce qui se passe ici? Tirez profit de la chute du cours d'or pour créer une sortie. Du cours de l'or. C'est facile. Ça me semble bien fragile. J'aime quand c'est fragile. Les choses fragiles sont faciles à casser.
avec un truc lourd. Ah non, mais j'aurais peut-être pas dû mettre les énigmes en facile en fait. Ouais, ok, certes. Tu m'attends. Ouais. Ah, c'est pas gnogneux. Je trouve un truc lourd et je sais qu'est-ce qu'il y a de lourd et qu'il faut que j'utilise, que je profite de la chute du cours de l'or. De la chute de l'or, tout simplement. Les énigmes, ça va rapidement être pénible, je déteste ça, surtout quand les trucs est ultra simple et que je me fais honte à moi-même comme ça, c'est assez honteux. Qu'est-il ici? Que dalle. Ah mais oui mec, il y a juste que dalle ici, c'est là d'où on vient. Pauvre con. Le docteur est un homme d'action, ce qu'on est mieux. Et surtout un homme très intelligent qui résout ce genre de problème en moins d'une minute. Ah ah, une cage d'ascenseur. Sans ascenseur, c'est parfait. Si on aime les pièces vides avec de très hauts plafonds, pas d'issue alors. Parfait si on aime les pièces vides avec de très hauts plafonds. Je reconnais bien là le docteur. Hop. Ouais, donc il faut que je trouve de l'or, des montagnes d'or. Je sais où est l'or mais je ne sais pas comment y accéder. Il s'appelle Boulet, c'est celle. Une chose à la fois, docteur. Je devrais mettre la caisse dans l'ascenseur avant de l'envoyer en haut. Bon. Là, je réfléchis un petit peu à ça. Ok, donc il faut que je trouve un moyen d'atteindre cet interrupteur. L'interrupteur de la magie. Le problème c'est que je sais que j'ai un ascenseur en haut là, mais... comment c'est que je fais pour y accéder? Donc là, si j'arrive là, je peux sauter pour saisir ça et passer sans difficulté. Nos soucis. Alors... est-ce qu'il y a une modification du coup là-haut? Ok, il y a une cage d'ascenseur juste ici, concrètement. Si j'amène ça là-haut... pas fait pour me transporter moi-même, hein. Bien évidemment, moi faut que je prenne l'échelle. Ce qu'on est mieux. Ouais, ok, forcément, là j'ai un ascenseur, c'est parfait. Donc c'est pour transporter ces briques d'or là, là-haut. Et ça peut pas être aussi compliqué que ça, j'ai mis les énigmes en facile. Hein. Il faut que je trouve une caisse, un truc comme ça, pour passer là-haut. Un moyen de passer là-haut, tout simplement. Hein. Sauf que je ne vois vraiment pas, et ça c'est paradoxal. Ça n'a aucun sens. Hein? On va aller chercher Solus quand même, ça va MC4 play à la fin, ce qu'on est mieux. Bon. Je sais qu'il faut faire tomber un truc ici. La solution est peut-être directement ici en fait. Ouais. C'est parfait. Hop. Pas déjà allé par là. Ah.
On peut pas s'accrocher ici? On devrait pouvoir. Hey! Hey! C'est pas génial ça. Non, reviens là. Quoique, non. Ah bah c'est tout simple, c'est bon, j'enchaîne là. Ça va être génial. Ça va être parfait. Docteur, tu es un génie. Un peu loin à la détente pour un seigneur du temps, mais quand même. Bon, elle est où cette putain de caisse là? Bah elle est là. Quelque chose pour m'aider à atteindre ces plateformes. Cette caisse fera sûrement l'affaire. Quelle plateforme? Ok, on peut pas pousser plus loin. Je vais donc la tirer par ici. Ah. J'ai besoin de quelque chose pour m'aider à atteindre ces plateformes. Cette caisse fera sûrement l'affaire. Hey. Toujours plus loin. Toujours. Forever plus loin. Je pense qu'après ça, je vais réactiver le gymnase du TARDIS. Il y a un gymnase dans le TARDIS. 900 ans et je me porte comme un char. Oui, tu viens de pousser une caisse de plusieurs centaines de kilos. Sans aucune difficulté apparente. Oui, disons que ouais, c'est vrai que... Ouais, voilà, au bout d'un moment, je veux dire... Voilà. Je vais poser simplement un caisse ici, puis d'en bas, je vais aller appeler l'ascenseur. Le bruitage de la caisse est à peine pénible, par contre. Hop. Coup. Et voilà. Putain, fallait le faire, quand même. Comment m'en servir? Ouais, par contre, les lignes de dialogue nous prennent un petit peu pour un abruti. Pas trop, mais quand même. Je vais me mettre par là, ce sera plus pratique. Le cours de l'or. Ah, qu'est-ce beau travail, docteur Anderson. Une chance qu'il n'y ait personne pour entendre ça. Si, il y a moi et tout mon public. Qu'est-ce beau travail. Ça doit faire référence à quelque chose, mais... Abandonné. Jolies arches. J'aime bien les arches. Le docteur aime bien beaucoup de choses. Il est très curieux et il est très sympa. C'est moi qui ai fait ça. Je crois que c'est moi qui ai fait ça. J'ai eu un truc. J'en ai foutrement qu'une idée de ce que ça peut être. Des résidus d'énergie de champ de stase. Je ne crois pas qu'ils avaient ça au 16e siècle. Et c'est ma signature d'énergie. Je suis déjà venu ici. Où j'y serai un jour. Où j'y serai un jour. Bah oui, le docteur a une vie particulièrement décousue. Ça on le sait, il faut s'y faire. Oh. Ne ramouille pas, s'il te plaît, docteur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Carte mentale, instruction. Ah, faites pivoter les anneaux pour aligner et composer une image. Appuyez sur haut ou bas, choisir un anneau. Puis sur gauche ou droite, pivoter l'anneau d'un cran. Un niveau de difficulté élevé, plusieurs anneaux plus à la fois. Avec un niveau de difficulté élevé, oui, ok. Quitter puzzle. Et voilà, c'est pas très compliqué. Et voilà, bon, rien de bien complexe hein, pour le coup. De perception cachait l'entrée des égouts. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais bouché. Bon, je vais prendre ça pour pouvoir le remettre ici plus tard. Ou n'importe quand. Je prends ça pour pouvoir le remettre ici plus tard. Ou plutôt n'importe quand. L'esprit Doctor Who à son paroxysme, les amis. J'espère que ça vous plaît. Moi, je kiffe ce jeu. Je kiffe ce jeu malgré les énigmes qui généralement me saoulent. La seule exception à la règle, c'est Portal qui a réussi à me faire aimer ce style de jeu.
Tiens, il y a un interrupteur de l'autre côté. Il faut être deux pour ouvrir la porte. Bon, eh bien, mieux vaut mieux faire. Il faut croire que je suis coincé ici. La loose. Oh putain. Tu n'as toujours pas compris. 1555. Ce n'est jamais pour toi quand il sonne. Ok, donc là on est très très loin dans le passé. Merci. Il y a une demoiselle en détresse. Et maintenant, ma phase favorite du plan d'évasion. Si tu le veux, il va falloir venir le chercher. Ok. Fais de beaux rêves. Ever. Je ne ferai aucun commentaire. Bien. Avant tout, je dois prendre mon équipement. Sans lui, j'ai l'impression d'être nu. Si vous voyez de nouveau la boîte bleue, prévenez immédiatement. Je suis intelligent. S'échapper. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si près et en même temps si loin. La sortie est par là. Je vais devoir contourner. Ouais, c'est un peu la loose, quoi. Se garder sa bug. Aucun acte d'ingénierie temporelle non autorisé ne sera toléré. Signalez tout contrevenant au gardien le plus proche. Je ne dois pas rester sous ces lumières. Elles sont reliées au système d'alarme. Oh. Tout est calme dans ce quartier. J'ai du mal au niveau FPS là. C'est les éclairages qui bouffent beaucoup, pas les textures. Allez, je faufile par là. Rouge à lèvres hallucinogène. Parfait. Mais les nerfs à vif. Vous pouvez pas trouver une autre technique. Ouais, aucun souci, mais par contre. Tout est calme dans ce quartier. Moyen de faire mieux que. Enfin, je sais pas. Les détenus doivent éviter tout contact avec les prisonniers à haut risque du quartier Delta. Il est rigoureusement interdit d'embrasser ce type de prisonnier. Un petit baiser psychédélique et ce garde ne comprendra pas ce qui lui arrive. Ok. Même pas eu besoin. Voilà. Quoique si, si je veux sortir quand même au bout d'un moment. Hein. Fasse repérer. Je pointe. Lol. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Des fois. Bien, maintenant je quand c'est tout simple. Mon pistolet et mon manipulateur de vortex. Je n'irai nulle part sans. Nous prévoyons un haut niveau d'activité dans le champ de force Tesla ce soir. Le sommeil des détenus pourrait être perturbé. Non. Faut que je reste en mode sneaky. Sinon, c'est pas cool là. Tout est calme dans ce quartier. Raté. C'est toi qui as raté ton coup, pauvre garde. Moi j'ai réussi. Les meilleures aventures commencent toujours comme ça. Oui, certes. Aucun souci avec les trappes personnellement, mais. Ah, c'est bien. Eh, pauvre con. Pauvre con. Alors. À tous les gardiens du quartier Charlie, préparez le réseau haute sécurité pour l'arrivée de la machine juge. Bon, faut dire qu'ils sont un peu aveugles aussi, les gardes. Hein. Je peux vous voir. Sortez de là. À quelle heure désirez-vous dîner ce soir, madame? À 25 heures. 25 heures, c'est bien. Comment sont-elles arrivées ici? Par la magie de l'univers de la collecte d'items.
tu me laisses descendre, merci. Ce quartier a l'air tranquille. Ce quartier a l'air tranquille. Ouais, non, y'a rien qui cloche. Tout va bien. Appelez la réception si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ah bah c'est bien, au moins les on est bien accueillis ici. Alpha et Bravo doivent se rendre immédiatement au bloc médical pour les nano-vaccinations de routine. Nano-vaccinations de routine. Donc rien de bien intéressant, mais ça nous laisse le terrain libre. Je pourrais neutraliser les gardes avec un baiser assommant. Il se passe rien dans ce quartier. Gardez vos mains en évidence. Le docteur Song s'est échappé. Je répète, le docteur Song s'est échappé. Encore. Je suis pas spoté à ce point quand même. Toi je t'ai eu. Ah bah oui, mais c'est ouvert ici. Par ici. Pointe-toi, toi. Arrêtez tout de suite. Ah merde. Bon, bah c'est raté. Laissez pas le docteur Song vous embrasser. T'as entendu quelque chose? Non, loupé. Stupide, bon. Qui est là? Je peux vous entendre. Appelez la réception si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, ça doit être un truc du futur. Lol. You mad? Bonsoir. Eh hey, non mais j'avais eu là, non mais sérieux, c'est quoi ça? Faille de sécurité dans le quartier Delta. Qu'est-ce que c'était? Bah, je me suis fait avoir. Heureusement qu'il n'y a pas de vie ici parce que sinon ça serait beaucoup trop compliqué. Chose, oui, bon. Je suis très très nul, mais. Qu'est-ce que c'était? Mais je l'avais pas eu là. Bref, non, faut vraiment que j'aille en mode sneaky parce que sinon ça passe pas du tout. Merci Captain Obvious. Là, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, je me suis fait avoir. Ah, ok, je veux bien admettre. Rien de bien grave. Il se passe rien dans ce quartier. Ouh. Bah, quand même. C'est bizarre, moi, souvent dans les jeux, c'est quand je découvre une fonctionnalité que j'y arrive le mieux. Et pas quand je commence à m'habituer, je galère plus, je tente plus de trucs bizarres, donc je fais plus de fails. Il se passe pas grand chose par ici. Oui, non, vraiment pas grand chose. Gardez vos mains en évidence. Non, mais là, comment on peut faire? Enfin, faut attendre 2 secondes de plus et c'est bon. Les détenus doivent retourner à leur cellule immédiatement. Oui, non, là j'ai fail. Bon, bah tant pis, je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Quoi que ça va commencer à faire long, mine de rien. Vous pouvez me laisser en commentaire vos avis si jamais vous voulez que je fasse un épisode 2 et que j'en fasse ainsi un let's play probablement sur ma chaîne personnelle ou si vous voulez en rester ici. Donc je compte sur vous dans les commentaires et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir, c'était CLB.